Bon, jusqu'au lancement de l'AFC, ma femme ne connaissait pas ce qu'on faisait. Oui, après. Mais c'est quand elle a vu les photos sur les réseaux sociaux qu'elle s'est alarmée, elle a commencé à. Elle n'était pas, en fait, contente. Est-ce qu'on pouvait nous parler franchement des contacts internes à l'AFC? Les contacts, que veux-je dire par contact interne? Je veux dire que vous avez trouvé le soutien militaire à l'extérieur. Vous avez trouvé une branche armée, mais vous avez besoin de cadres politiques. Ces cadres politiques-là, je suppose que vous comptez les trouver ici, à l'interne. Vous pouvez m'en parler. Chef, je pense que je vous avais encore parlé de. Et vous avez cité quelques noms. Oui, vous pouvez vous rafraîchir la mémoire. Ça fait longtemps, mais hein, il y en a déjà que je connais qui prenaient souvent contact avec nous. Comme qui? Comme. Comment il s'appelle encore? Les députés de. Ça fait Claudel. Claudel Baya, il y a les vieux Olinga Koy, il y a le professeur Bobby Kabamba, il y a Adam du PPRD. Quel Adam du PPRD? Adam Chalou. Albert Chalou. Il y a l'autre qui était à Roger Frem, et qui c'est lui qui était le DG de Roger Frem. C'est un des gars là. Ce n'est pas encore. Albert, c'est le petit de Jean Moukoutou. DG de Loger Frère. Oui, l'ancien DG de Loger Frère. Ce nom m'échappe là. On l'attendait au fait à Kigali. Émile. Non, il a été d'ailleurs arrêté, il était en Macala. C'est Émile. C'est un rega. Il est rega de Manima. Il est encore jeune comme ça. India. Hein? India. Non, pas India. India. Non, pas India. Émile. Pas Émile. Il était déjà à Logefrem. Ça te comme encore. Vous l'attendiez à Kigali? Oui, vous l'attendiez à Kigali. Et il n'est pas venu pourquoi? Non, je ne sais pas si. Je crois qu'il doit. Peut-être qu'il est venu après moi. Je vais me rappeler de son nom. C'est un nom qui m'est vraiment familier. Côté militaire. Du côté militaire. Nous, on n'avait pas de contacts militaires. C'est lui qui avait les contacts militaires, c'est pas nous, c'est le général John Lumbi. On parlait avec lui et l'ancien président Joseph Kabila. Mais nous, au Corné Nanga lui-même, n'a pas de contacts militaires. Ça, vraiment, je peux l'affirmer et le réaffirmer parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Il ne me cachait rien. Il n'a pas de contact militaire. Donc, les contacts militaires, c'était John Numbi. John Numbi est l'ancien président. Qui était chargé de monter la partie militaire. Oui. Patience Saïba, c'est ça? Ah oui, Patience Saïba. Parce qu'on parlait avec lui, il était à Tanzanie. Il disait non,
Imalize kwanza mafaire kidogo niko nafanya kisha niza kutana Tanzania. Sasa hivi. Et il devait vous rejoindre pour entrer dans votre mouvement. Oui, pour entrer dans l'AFC. Victime de cette agression, mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants phares d'essai et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.